J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo haul, que ce soit chez Jiffy et Action. J'ai fait quelques petits craquages après mon retour de la maternité. Je vous reglisse ici ma petite vidéo accouchement, ça vous intéresse, mais sinon pas d'obligation. Et du coup, bah, j'ai craqué chez Action parce que j'avais besoin de quelques petites choses et chez Jiffy parce que j'avais besoin aussi de quelques petites choses. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, oui, ne me jugez pas, j'ai été faible, j'avais envie de me faire plaisir à petit prix, donc voilà, j'ai vadrouillé dans les magasins que je préfère, que ce soit déco ou accessoires. J'ai acheté beaucoup de choses pour l'anniversaire de mes enfants, j'ai décidé finalement que ça allait être sur le thème tropical parce que c'est ce qu'on trouve facilement dans les magasins en ce moment, donc bah, comme ça en même temps vous aurez un haul et en même temps un peu la future déco de l'anniversaire de mes enfants qui sera à la fin du mois. On commence par Jiffy. J'ai craqué chez Jiffy donc pour un nouveau transat. Si vous avez regardé mon dernier weekly vlog, je vous mettrai ici. Eh bien, j'ai craqué déjà pour un transat. Je vous remets une photo du transat dans mon jardin. J'en avais acheté un et du coup maintenant j'en ai acheté un deuxième à 40 euros. Comme ça, j'en ai deux. Quand il y a ma maman, mon papa ou voilà, quand on a envie de flâner au soleil. Deux c'est quand même bien. Et puis je me dis que si j'en ai qu'un et que mes enfants ont décidé de me le piquer, bah, il m'en restera plus. Donc j'en ai pris un deuxième. Pour aller sur ce transat, j'ai pas retrouvé le même petit coussin que la dernière fois, donc celui-ci je l'ai repris. Enfin, j'en ai pris un autre dans le même style, un peu tropical comme ça, mais du coup voilà, j'ai pris celui-ci qui est un petit peu plus cher que celui que j'avais trouvé. Je vous mettrai à chaque fois les prix par ici si ça vous dit, mais il était autour de 3 euros je crois. Pour tout ce qui est jardin, forcément, bah, j'ai craqué pour un petit truc pour le barbecue. Il y avait à 1 euro seulement, genre 1 euro ce truc-là, je trouve ça trop bien. Des marshmallows barbecue, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire des marshmallows au barbecue, donc il y a les chamallows, il y a les bâtonnets, après je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, parce que j'ai pas osé ouvrir, mais voilà, ça me plaisait bien, à 1 euro, bah, je trouvais ça cool. Ensuite j'ai craqué pour de la décoration, enfin entre des choses pour la table pour mes enfants. Oui, j'ai été faible devant le rayon, en fait c'était, il y avait le rayon tropical, tout ce qui était verre en plastique et tout, puis à côté il y avait tout ce qui était verre pour les enfants, déco pour les enfants, donc j'ai acheté deux sets de table. Je me suis dit que comme mes enfants maintenant, enfin voilà, ils mangeaient proprement à peu près, ils allaient avoir chacun le leur, donc un set de table pour ma fille avec écrit la super héroïne qui n'en laisse pas une miette. Donc elle mange pas beaucoup ma fille, mais je suis peut-être la motivée. Et mon fils, je trouvais ça trop mignon avec le petit raton laveur là, je pense que c'est ça, hein. Bien manger pour bien grandir, puis c'est assez fleuri, c'est mignon. Il y en avait d'autres, hein, d'autres styles, mais bon, moi j'ai craqué pour ces deux là. Et puis bah, pour compléter tout ça, j'aurais acheté les assiettes qui vont avec, donc dans le même style. J'ai acheté les verres qui vont, enfin les petites tasses qui vont avec. Oui, oui, bah, c'est surtout ça qui m'a fait craquer en fait. Et puis quand j'ai trouvé ça, avec les petits manches, je trouvais ça trop mignon. C'est une sorte de matière un peu plastique bambou. Je trouvais ça cool. Et bah du coup, j'ai tout pris, hein. Et puis j'ai acheté aussi les gourdes. Oui, oui, parce que bah, ils aiment bien aussi boire dans des gourdes et tout. Donc j'étais pressée de vous les montrer aussi pour pouvoir les mettre tout de suite à laver et leur donner. Voilà, je trouvais ça trop mignon, il y avait 4 collections différentes avec des thèmes un peu comme ça, je trouve ça trop mignon. Dans le même style, eh ben, j'ai trouvé ce petit truc là, que je trouvais trop mignon encore une fois, si vous suivez un petit peu mes aventures YouTube, mon fils est fan de panda, bon je n'achète pas spécialement des trucs de panda, mais là je suis tombée dessus, c'était 7 euros le lot, je trouvais ça plutôt sympa, voilà, pour lui, pour cet été, pour manger, voilà, je trouvais ça cool, donc pareil j'en ai pris qu'un, il n'y avait qu'un seul, une seule collection, il n'y avait pas pour ma fille, de trucs spécifiques. Et pour finir, chez Jiffy, j'ai craqué, donc comme je vous disais, pour de la déco pour mes enfants, des petits pics comme ça avec des ananas, un peu voilà, thème tropical, hein. Des petits pics apéro avec bah, des flamants roses, des pastèques, donc je me suis dit pour faire des coupelles de fruits ou mettre sur les gâteaux, les cupcakes et tout ça, c'était top. Des petites pailles alors je sais que c'est pas du tout écologique tout ça, hein, mais bon... J'avais envie de faire une déco sympa un peu. Il faut juste que j'arrive à faire une petite guirlande de fagnons sympa aussi pour compléter tout ça. Du coup des petites pailles comme ça avec des petits perroquets. Et des petites assiettes, ananas forcément. Et puis vous allez voir, j'ai complété tout ça chez Action. Donc on va chez Action, j'ai craqué pour des caisses comme ça. Si vous avez vu ma dernière vidéo rangement dressing, je vous la mettrai ici. J'avais utilisé les mêmes mais en version noire pour ma chambre. Et là je vais les utiliser pour la chambre de mon fils. Donc j'ai pris des blanches puisque pour une fois il y en avait. D'ailleurs je suis passée, j'en ai pris 4 et il en restait peut-être 4 ou 6. Et je suis repassée 5 minutes après et il y en avait 0. Donc il y a quelqu'un qui était passé entre temps prendre toutes les autres. Donc voilà, je les ai pris pour mettre dans la chambre de mon fils. On continue dans la déco tropicale avec des petits trucs comme ça que j'ai trouvé là-bas chez Action.
Je me suis dit pour décorer les tables et tout, c'était parfait. Ça aussi, hein, j'étais obligée, alors je me dis que ça va servir pour ma déco, puis après ça va me servir à rien, mais je trouvais ça trop mignon pour la déco encore une fois, voilà, je pouvais pas résister. Des petites feuilles en papier comme ça, bah, tropicales encore une fois, avec des perroquets, etc, des fleurs d'hibiscus, c'est trop trop beau. Des petits sacs comme ça, j'aime bien mettre des petits sacs avec des petits bonbons, etc, des petits goodies entre guillemets, pour les anniversaires, quand les gens viennent, ils repartent avec leurs petits sacs de bonbons et tout, donc j'ai trouvé cela chez Action. Ma foi, je me suis dit pourquoi pas, c'est plutôt cool, c'est un paquet de 10, donc pour les enfants, pour qu'ils partent avec un petit paquet de bonbons et tout, je trouve ça cool. Des petites coupelles comme ça, un peu, voilà, bambou, je sais pas c'est en quelle matière, mais en version un peu bois, vous voyez, voilà, pour éviter le plastique, je sais pas si ça c'est recyclable, mais en tout cas, je trouvais ça plus sympa, ça allait dans l'ambiance un peu tropicale, des îles, tout ça, pour mettre des fruits, des bonbons, enfin je verrais bien. Et pour finir dans tout ce qui est, bah, pareil pour l'anniversaire de mes enfants, des cure-dents. Bon ça c'est même pour le quotidien, hein, et des petits couverts comme ça, toujours en espèce de bois. C'est la première fois que je voyais ça chez Action, donc j'ai craqué pour éviter tout ce qui est plastique, je trouvais ça sympa. Bon, après, voilà. Et on a des assiettes en carton, en version comme ça, encore une fois avec des petites images un peu tropicales. C'était beaucoup moins cher que chez Jiffy, mais voilà, c'était pas du tout le même style. Bon, c'est pour ça que j'ai fait un peu chez les deux. Je passe un peu maintenant aux gourmandises Action. Il n'y a pas grand chose, et après je passe à tout ce qui est scrap, papeterie, donc comme ça, ça dépendra pour vous. Vous savez que je vais à chaque fois chez Action, j'achète ces petits trucs-là pour mes enfants, donc j'en ai repris. Ces petits trucs-là aussi pour mes enfants, donc j'en ai repris. Et j'ai pas mal craqué là, cette fois, sur des petits paquets comme ça, un peu rose, violet. Je sais pas, ça m'a donné envie, je me suis dit avec les salades, pourquoi pas. Donc j'ai pris des pignons de pin, je ne sais plus du tout les prix en revanche, j'ai pris des baies de goji, pourquoi pas pareil dans les salades ou pour ajouter sur mes petits plats, et des mélanges de graines. Ça me donnait bien envie, donc j'ai craqué, et puis ça c'était un peu moins sain. Des Kit Kat, des Pop Shop Kit Kat. Pour mes garçons, bah, j'ai pris des cotons parce que ça, même si c'est pas très écologique, j'aime bien en avoir quand même quelques-uns pour dépanner. J'ai les lingettes qui se lavent, etc. Mais j'aime bien quand même avoir quelques cotons pour dépanner. Ah, j'ai oublié ça pour la déco aussi. J'ai pris des sets de table, que ce soit pour la maison, pour la déco de l'anniversaire de mes enfants, mais aussi pour bah, la future table en fait qu'on aura à l'extérieur. Je me dis que ça, pour mettre dessus, ça sera cool. Vous avez plusieurs coloris. Je vous les montre ici pour celles que ça intéresse. Avec voilà des... Et c'était tous sympas quand même, hein. Je les trouvais tous très beaux. Mais j'ai préféré juste faire un truc un peu plus simple. On passe maintenant à tout ce qui est papeterie. Et j'ai pas mal craqué. J'ai enfin trouvé des petites enveloppes comme ça pour envoyer... qui sont un petit peu bulles, vous savez, pour envoyer bah, des courriers ou des choses que je vends sur mon Vinted. Donc voilà, j'en ai trouvé 3 paquets. Il y en avait plein, hein, mais j'en ai pris que 3. Et j'en ai repris un basique à 99 centimes, là, les blancs basiques. Ah, oups, j'ai oublié une petite dernière gourmandise. J'ai trouvé ces petits chocolats chez Action. Chocolat caramel beurre salé. Chocolat au lait caramel beurre salé. Ah, si c'est une tuerie, j'irai en racheter parce que moi j'adore le caramel beurre salé. Et celle-ci qui est aux amandes, pardon. Amandes et noisettes. Donc j'en avais testé d'autres de chez Action qui étaient vraiment très très bonnes. Donc je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci. Celle-ci, je ne les connais pas. Au niveau scrap, donc j'ai pris des petits crayons pour mon bullet journal. Ceux-là, ils sont rose gold. Je les avais jamais trouvés jusque-là. Et ceux-là, ils sont métalliques, argentés. Donc voilà. Alors, je suis pas hyper fan. Je les ai en noir, ceux-là. Je suis pas ultra, ultra fan des pointes, des feutres. Mais avec ces coloris-là, je me suis dit pourquoi pas tester. Au moins pour faire quelques petits effets ou à voir. On verra. Hein. C'est vrai que la pointe des feutres n'est pas non plus qualité de dingue. J'ai trouvé ceux-là, les Metallic Brush Pen. Donc des pointes des feutres, pardon, pinceaux métalliques, en forme, voilà, couleur comme ça métallique, et c'est vraiment un petit pinceau comme ça au bout, vous avez l'image là, et ça m'a pas l'air, ça m'avait l'air plutôt pas mal, donc je sais pas ce qu'ils valent, hein, je sais pas s'ils sont bien et tout, mais je vous en reparlerai sur Instagram, je pense très prochainement, puisque je vous montre un peu ce que je fais dans mon bullet journal sur Instagram, ou même ce que je fais dans Scrap, donc bah je vous en reparlerai là-bas si ça vous intéresse. Ça, j'ai vu ça dans la vidéo de ma copinote, youtubeuse, Sparkling Fairy, je crois, si je me trompe pas, dans son pseudo YouTube, mais je vous mettrai ici. J'essaierai de penser de vous le mettre en barre d'infos. Elle fait quelques fois des vidéos Action avec tous ses achats du mois. Et elle craque beaucoup en papeterie tout ça. Du coup, j'ai vu, juste avant de partir dans mon Action, j'ai vu son haul et ben voilà. J'ai été faible. Ça, je les avais vus dans sa vidéo et puis dans la vidéo aussi de Mélanie de la chaîne Happy Together des 7. Donc, je me suis dit, bon, allez, quand même. Donc, c'est des cartes que vous pouvez envoyer
il y a un petit trou où vous mettez votre petit mot et après vous collez un autocollant. Voilà, qui sont là. Un petit autocollant, voilà, de la même forme, vous verrez pas, mais par exemple le rond, vous le recollez ici. Et comme ça, bah, quand vous offrez, les gens ils grattent et ils ont votre petit mot en dessous. Je trouve ça trop sympa. En plus, les dessins et tout sont plutôt cool. Ils sont plutôt, plutôt jolis. Donc, je trouvais ça trop mignon. Je sais pas si j'arriverai à les utiliser, mais en tout cas, dans l'idée, je trouvais ça trop, trop sympa. Regardez-moi ça. Bon, en revanche, j'ai pris les derniers du magasin, là, et il en restait plus beaucoup. Du coup, c'est un peu Destroy. Et le dernier, voilà. Donc, j'avais pris 4 différents. J'ai trouvé quelques petits die cuts. Ça, je les avais eu dans pas mal de vidéos. Et puis, bah, je les avais pas trouvés jusque-là. Donc, je suis ravie de les avoir trouvés aujourd'hui. Ceux-là, en forme un peu de fleurs, là, comme ça. Avec, il y a un petit peu de foil dessus. Vous voyez, vous avez tout ça comme modèle. Et vous avez un petit peu de foil dessus. Je suis pas fan des fleurs, mais ma foi, ils me donnaient envie. Ceux-là que je voulais absolument. Ceux-là, c'est vraiment tropical avec des ananas, voilà, des perroquets. C'est pas des perroquets, c'est un toucan, je pense. Bon, je suis pas très douée en oiseaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Des feuillages aussi. Et le dernier, ce sont des plumes. Alors, je sais que les grosses, elles sont pas terribles au niveau pixelisation et tout, mais bon, c'est pas grave. C'était pas très cher, et puis ça me donnait quand même envie pour mes créas qui vont venir. Puisque dans mon Memory Planner, je me dis que ça sera très sympa. Et justement, pour agrémenter aussi la page où je ferai l'anniversaire de mes enfants, bah, ça sera cool d'avoir des die-cuts comme ça. J'ai repris des die-cuts comme ceci aussi. Enfin, ceux-là, c'est des die-cuts épais, un peu carton. Parce qu'ils me faisaient envie. Je ne savais plus si je les avais pris ou pas. Donc voilà, je les ai pris. Et pour finir, presque pour finir, j'ai pris... de l'eau que j'ai vu aussi dans la vidéo de ma copine Sparkling Fairy. C'est des petites cartes, vous savez, que vous pouvez mettre dans les cadres, etc. Mais j'ai trouvé trop belle celle-ci là, enfantine. Et alors celle-ci, je la trouve trop mignonne. Et même pour changer dans les cadres de la chambre de mes enfants, je trouvais ça trop sympa. Donc j'étais ravie, je les prends deux fois. Oui. 99 centimes en deux fois, bon voilà. Et pour finir, des petits albums comme ça, je les avais déjà achetés, je vous avais montré sur Instagram. Mais je les ai repris parce que je crois qu'il y en a un que j'ai pas. Il y en a un que j'ai déjà quasi tout utilisé. Donc, je vous montre par exemple celui-ci. Je crois que je l'ai pas. Je l'avais pas pris. Je l'avais pas vu surtout. Et alors, à l'intérieur, vous avez des pages comme ça de stickers. Vous avez 3-4 pages de chaque stickers. Ils sont vraiment très sympas, les stickers. Plutôt bonne qualité. Donc, vous avez plein de styles différents de stickers. Je vous montre juste celui-là hein, pour modèle. Et après, vous avez des petites cartes comme ça à découper. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des cartes de Project Life ou pas. Hein. Vous avez des petites enveloppes un peu à découper aussi pour faire des cadeaux. Et à la fin, du papier cadeau. Donc moi, je les prends surtout pour les stickers. J'ai pris celui-là que j'avais déjà, je crois. Avec des cactus, des motifs un peu pareil, des couleurs pastel, noir. J'ai trouvé trop beau. Et celui-ci avec des papillons comme ça. Il était un peu plus vif. Il y avait des jolis motifs comme ça. Enfin bon, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Je vous invite à aller les voir. Mais même regardez juste les petites cartes, quoi. Donc si vous avez envie de vous lancer par exemple pour faire des cartes vous-même et tout, mais en étant simple, voilà, je trouve que c'est des kits qui sont vraiment très sympas. Ou même pour faire un petit swap ou un cadeau ou des cadeaux pour une petite fille, une fille ou une femme. Enfin, je trouvais ça trop cool. Donc voilà pour mes craquages, action Jiffy. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été faible comme moi et que vous avez craqué il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien les hauls ou les petites idées comme ça, que ce soit en scrap ou en déco aussi d'anniversaire. J'espère que vous aurez envie de voir un vlog anniversaire comme je le fais logiquement tous les ans. Donc si ça vous intéresse, restez connectés à la chaîne. Abonnez-vous en cliquant sur ma petite tête ici. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve en commentaire. Salut !